Veuillez vous lever. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good afternoon. Le président, bonjour à tous. Good afternoon, Mr. Witness. Rebonjour, monsieur le témoin. Yet late to... Sans plus tarder, je redonne la parole à monsieur le procureur afin qu'il achève son interrogatoire. Vous avez la parole. Monsieur McDonald, je vous remercie, monsieur le président. Vous, je vais vous demander encore une. Certains moments de patience, mais on va terminer plus tôt cet après-midi que prévu. Il y a deux sujets dont je vais aborder. Le premier, donc, c'est votre rencontre. Vous avez mentionné dans votre témoignage précédemment que vous aviez eu une rencontre le 20 mars avec M. Blégoudé. Pourriez-vous nous indiquer... Donc, ce qui en est de cette rencontre avec M. Blégoudé. Donc, le 20 mars, M. Charles Blégoudé était donc passé sur les antennes de la radio-télévision ivoirienne pour faire passer un message au journal de 20 heures. À l'issue donc de son message, il a convié les jeunes à venir à l'état-major pour se faire enrôler. Je suivais le journal, donc j'ai pratiquement saisi la fin du journal, du message, et j'ai attendu que le journal finisse. Je l'ai appelé et je lui ai dit, mais vous prenez des engagements sans même m'informer, vous donnez des rendez-vous aux jeunes, je ne suis pas informé de quoi s'agit. Alors il m'a dit, bon frère, t'en fais pas, j'arrive. Je viens te voir à la résidence. Bon, il a mis un peu de temps pour arriver. Et quand il est arrivé, il m'a expliqué que c'était une stratégie de sa part. Comme il sait que nous n'avons pas d'armes et de munitions, il a voulu convier les jeunes. Leur nombre pourrait influencer l'ennemi et l'empêcherait de nous attaquer. Donc voici... comment il a justifié son action. Je ne pouvais plus repartir sur les antennes parce que ce n'était pas l'heure de grande affluence. Donc, j'ai laissé passer. Voilà comment ça s'est passé. Alors, j'aimerais justement vous montrer une vidéo. Pièce de l'accusation. 0064-0092 de la minute 22-29 à 28-35, onglet 379, le transcrit correspondant 0097-0161, onglet 577. 5. Et il s'agit bien donc du transcrit dans son dans sa totalité, si je ne me trompe pas. Alors, encore une fois, M. Mangou, regardons et je reviens avec des questions. Est-ce que si on est prêt au niveau de l'interprétation? Okay.
Et comme annoncé, pour parler de ce mot d'ordre, nous recevons le leader de la jeunesse patriotique. La greffière d'audience, évidence 2. Tant qu'on ne vous a pas entendu, un silence qui suscitait beaucoup de commentaires. Oh, je voulais d'abord dire bonsoir aux Ivoiriens, aux jeunes, que je voulais féliciter, ceux qui sont sur les barrages, ceux qui veillent pour que les autres dorment, ceux qui maintiennent l'ordre dans les quartiers avec politesse et qui aujourd'hui sont en train de dissuader ceux qui veulent semer le désordre dans le pays. Et puis, les commentaires que suscite mon silence, je veux dire, sont dans la droite ligne de la psychose que les gens veulent créer. C'est pas toujours qu'un leader parle, vous comprenez. La parole est sacrée en Afrique. Le jour où vous parlez, c'est que cela est important. Je dis aux Ivoiriens, quand il y a des rumeurs qui circulent, tant que vous avez des informations à gauche, à droite, que vous ne me voyez pas à l'écran, que vous ne me voyez pas parler, c'est que la situation est encore entre nos mains. Donc c'est pourquoi je n'ai pas parlé et j'ai jugé utile de parler maintenant. Et c'est ce que je suis en train de faire. Justement, pour venir à l'actualité du moment, vous avez lancé à Charles de Goudé plusieurs mots d'ordre depuis le second tour de l'élection présidentielle. Et puis, dernier mot d'ordre, vous appelez les jeunes à se faire enrôler. Quelle est la particularité de ce mot d'ordre? Qu'est-ce qui a évolué sur le terrain? Je voudrais vous dire que nous marquons là la différence entre les méthodes de ceux qui sont en face et nous, nos méthodes. Voyez-vous, pour défendre une nation, quand vous voulez prendre une arme, il faut que vous ayez droit à cette arme. Il faut que vous ayez le droit d'avoir cette arme. Cela veut dire, ou vous êtes policier, ou vous êtes gendarme, ou vous êtes militaire. Mais on ne peut pas, dans un pays qu'on veut diriger, distribuer des armes à des civils qui mettent sous leurs habits et puis ils tirent partout dans le pays, ils égorgent partout dans le pays. Ce n'est pas comme ça qu'on va diriger la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, pour nous, les jeunes patriotes, ou les jeunes secours, tous ceux qui brûlent d'envie de libérer leur pays, de participer à leur manière, à la libération de leur pays, et qui jugent que c'est de manière militaire qu'ils vont le faire, il y a une voie, c'est la voie légale de rentrer dans l'armée régulière de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, simplement, je les appelle demain à se rendre à l'état-major, et le chef d'état-major, avec son équipe, trouveront les moyens de les enregistrer et de les enrôler dans l'armée de Côte d'Ivoire. C'est ce qui est normal dans un état de droit. Sinon, ceux qui veulent transformer la Côte d'Ivoire en Rwanda, je leur dis, je ne veux pas de guerre civile dans ce pays. Je ne veux pas de guerre civile dans ce pays. Parce qu'on ne trouvera pas un pays où il n'y a que des pro-Ouattara en faisant disparaître les pro-Gbagbo. Tout comme on ne trouvera jamais un pays avec des pro-Gbagbo en faisant disparaître les pro-Ouattara. Cela n'existe pas. Alors, la seule entité à même de faire la différence, c'est l'armée régulière. C'est pourquoi j'ai lancé cet appel et je voudrais demander aux jeunes de répondre massivement à cet appel. Est-ce que par cette décision, Charles Bégoudé, vous ne donnez pas raison à ceux qui parlent d'organiser finalement une milice? Mais madame, voyez-vous, moi je ne vais pas me comporter selon les mensonges de nos adversaires. Quand on dit aux jeunes, rendez-vous à l'état-major pour entrer dans l'armée régulière, on ne parle plus de milice. Et donc, cet appel même est le démenti cinglant à ses propos mensongers. Il y a tellement de mensonges dans ce pays. Regardez, M. Choi, représentant de l'ONU en Côte d'Ivoire, qui a créé tous ces problèmes à la Côte d'Ivoire en se précipitant dans un rôle pour certifier des élections, des résultats qui n'ont même pas encore été certifiés, qui n'ont pas encore été annoncés par le Conseil constitutionnel. Ce monsieur-là vient d'annoncer il y a quelques semaines le président Gbagbo a acquis un avion avec la Biélorussie pour acheter des armes. Deux jours après, l'ONU présente des excuses au monde entier, à la Biélorussie, sans le présenter à la Côte d'Ivoire, reconnaissant que ce rapport-là est un faux rapport. Mais il faut aller plus loin pour reconnaître que le premier rapport sur les élections est un faux rapport et que sur la base des rapports écrits et envoyés à New York ou à Washington par M. Choi, on ne peut plus juger la Côte d'Ivoire. À partir de là, madame, moi je ne considère plus ce que ces gens-là disent. Ce que je demande aux jeunes, c'est de venir demain massivement à l'état-major pour se faire enrôler dans l'armée. Alors, toute dernière question, à que deviennent les comités de vigilance dans les quartiers si tous ces jeunes-là répondent à votre appel? Madame, nous sommes organisés. Nous sommes organisés, nous sommes disciplinés. Et je pense que pendant que, en 2002, des jeunes sont allés sous le drapeau,
Mais d'autres sont restés pour faire le meeting. Moi, je reste avec les jeunes pour continuer le meeting. Parce que moi, je suis convaincu, madame, et c'est très important, que la crise ivoirienne aura sa solution par les acteurs politiques en Côte d'Ivoire. Je suis convaincu qu'un jour, le président Gbagbo, M. Ouattara, M. Bédié, finiront par s'asseoir. Et je les invite à cela. J'appelle à, j'allais dire, ce que j'appelle un dialogue inter-ivoirien. Parce que tous ceux qui se font appeler médiateurs, hauts représentants, qui quittent partout, ils cherchent un nom à gagner sur le dos de notre pays, sur le sang des Ivoiriens. Donc, pendant que ceux-là discutent, pendant que nous nous faisons les meetings, ceux qui se sentent aptes, ceux qui sont déterminés, ceux qui pensent qu'ils peuvent défendre leur pays par la voie militaire, il y a une voie légale. Demain, je les attends, eux tous, à l'état-major, et le général Mangou Philippe les attend. Je sors même d'un entretien frais avec lui, et demain, tout le monde a entendu. Mais en tout cas, je l'insiste, madame, j'insiste là-dessus, nous ne voulons pas de guerre civile en Côte d'Ivoire, et nous pensons qu'il est encore temps qu'on discute, parce que même après la guerre, on finira par discuter. Autant discuter maintenant. Merci Charles Blégoudé. Nous poursuivons. Alors, reconnaissez-vous cette vidéo? Oui. Est-ce l'appel auquel vous faisiez référence ou est-ce qu'il s'agissait d'un autre appel? C'est bien de cet appel qu'il s'agit. Et donc, juste pour confirmer, c'est après que... C'est après cela que vous avez rencontré M. Blégoudé à votre résidence. Oui, c'est bien après l'appel. Mais dans son appel ici, j'ai cru entendre, je sors d'un entretien avec lui. Il n'y a pas eu d'entretien avec moi au préalable. Et donc, que se passe-t-il par la suite? Donc, il arrive à ma résidence, il m'explique, comme je l'ai fait tout à l'heure, l'objet de l'appel qu'il a lancé. Il m'était impossible de repartir à la ETI pour démentir l'appel. Donc, on attend, parce que le 20, c'était déjà le dimanche. On attend lundi 21. Lundi 21, à 7h30, j'arrive à l'état-major. Ben, il y a du monde, c'est plein. C'est plein. La cérémonie devait commencer à 9h. J'ai refusé de partir. Et c'est mon chef de la division ressources humaines qui est venu me voir, l'amiral Allah, pour me dire, ah, mon général, les jeunes vous réclament. Ils veulent que vous veniez parler. Qu'il y a vraiment du monde et que par souci sécuritaire, il serait souhaitable que vous alliez leur parler parce que il se pourrait qu'il y ait des infiltrés. L'état-major étant un lieu stratégique, ben, s'il y a une attaque qui part de là, ce ne serait pas bien. Donc, je suis allé. Je suis allé et j'ai parlé aux jeunes.
quand j'ai parlé aux jeunes, ce que je leur ai dit que je les saluais, je les félicitais pour leur engagement à vouloir défendre l'intégrité du territoire, mais que je ne leur remettrai des armes que lorsque le dernier FDS serait tombé. Blé Goudé s'est approché de moi. Il m'a dit qu'il faudrait qu'on fasse semblant de distribuer les armes aux jeunes. Alors je lui ai dit non, je ne peux pas procéder de la sorte. Nous n'avons pas d'armes, nous n'avons pas de munitions. Si moi, mes hommes, voient que je suis en train de procéder à une distribution d'armes, ben, ils ne seraient pas contents. Que eux, militaires, ne soient pas armés, qu'on soit en train de donner des armes à des civils, ils ne seraient pas contents. Donc j'ai refusé. J'ai refusé et j'ai demandé aux jeunes de repartir dans leur quartier pour ceux qui veulent se faire enrôler, de repartir dans leur quartier et d'aller à la mairie pour se faire recenser. Donc voici ce que j'ai dit aux jeunes. Your honors, I'm not going to show video. Monsieur le Président, je ne vais pas diffuser de vidéo qui a déjà été présentée dans le cadre de cette affaire, mais je souhaite attirer l'attention de la Chambre sur celle-ci. Il s'agit de la vidéo où l'on voit des jeunes avec Monsieur Blé Goudé et Monsieur Mangou à l'état-major. Je vais donner la référence 0069-0375. Et il y a deux horodatages précisés, 0540 à 8 minutes 52, et même entre 8:52 et 14 minutes 08. Les transcriptions correspondantes sont également disponibles pour les deux extraits. S'agissant du premier extrait, la transcription porte la référence 0087-0730 et du deuxième extrait, il s'agit de la référence 0087-0733. Et ces pièces figurent toutes sur notre liste de pièces, Monsieur le Président. Je vais poursuivre. Est-ce qu'à un certain moment, durant la crise post-électorale, il a été question d'intégrer des miliciens au sein des FDS? Jamais. Est-ce que il y avait, au début de la crise ou pendant la crise ou à quelques moments que ce soit, des miliciens au sein des forces de défense et de sécurité? Pas de miliciens au sein des forces de défense et de sécurité pendant que j'étais aux affaires. Que voulez-vous dire par là? Tout le temps que j'étais chef d'état-major des armées, il n'y a pas eu de miliciens au sein des forces armées nationales de Côte d'Ivoire. Donc, est-ce qu'on se place jusqu'à quelle date? On se place de 2004 jusqu'à 2010, jusqu'au 30 mars 2010, date de mon entrée à l'ambassade. Donc le 30 mars 2011, pardon, vous avez mentionné 2010. 2011. Très bien, on avait tous compris. Mais par la suite, qu'en est-il? Si vous pouvez préciser votre question. Après le 30 mars, qu'en est-il? Alors, après le 30 mars, donc vous relatant
La dernière rencontre que j'ai eue à la résidence du président Laurent Gbagbo, j'ai dit que quand j'y allais, j'ai vu 5 véhicules qui étaient bondés avec des gens assis sur des ridelles, des cartouchers qui s'entrecroisaient sur la poitrine, que j'ai essayé de regarder. La tenue, la manière de porter les cartouchers, ce n'était pas l'habitude de nos hommes. Que c'était des mercenaires. J'ai affirmé que c'était des mercenaires. Le commandant Seka, aide de camp de la première dame, n'avait pas de troupes. Donc là, il avait pratiquement sous sa responsabilité près d'une compagnie. Donc là, j'ai affirmé que ce sont des mercenaires. Et qu'en est-il de miliciens? Alors, moi, à mon niveau, j'ai toujours fait la différence entre un milicien et des groupes d'autodéfense. Le milicien, c'est des groupes qui se créent spontanément pour accomplir un maintien de l'ordre, pour engager un combat, alors que les groupes d'autodéfense, ce sont des groupes qui se créent pour combler un vide sécuritaire. À l'ouest de la Côte d'Ivoire, vous avez des groupes d'autodéfense. Parce que, au début de la guerre, en 2002, la guerre était essentiellement sur l'axe central, Boaké, Tiébissou, Bokanda, Mbayakro. L'axe ouest, plus particulièrement le nord-ouest, zone de Tabou, était tenue par l'armée française jusqu'au milieu de 2003, date à laquelle la France est partie de là. Et quand elle est partie de là, les forces qui nous attaquaient ont commencé donc à s'infiltrer dans cette région. Or, dans notre dispositif, nous n'avons pas prévu d'éléments militaires qui puissent être à l'ouest pour contrecarrer l'action de ceux qui s'infiltraient. Les populations de cette région ont pris donc leurs responsabilités pour pouvoir faire face aux infiltrations de l'ennemi. Donc, du côté de l'ouest, il y a des groupes d'autodéfense. Vous avez le FLGO, qui est le Front de Libération du Grand Ouest, tenu par Mao Glofei. Vous avez l'APOE de Bonao, Association des Patriotes Ouai. Vous avez le MILOSI du commandant Batoua, le Mouvement de Libération de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Vous avez également un autre mouvement dirigé par le pasteur Gami. Ces groupes-là, ce sont des groupes d'autodéfense qui ont eu des armes, qui ont défendu leur région et qui souvent ont été aidés par des Libériens. Parce que quand vous prenez la frontière, de part et d'autre de la frontière, la Côte d'Ivoire et du Libéria, vous retrouvez pratiquement les mêmes ethnies, les Yacouba en Côte d'Ivoire, les Yacouba au Libéria, les Guéré en Côte d'Ivoire, les Guéré au Libéria. Donc ces liens de parenté ont fait que quand il y a un groupe qui est en danger, l'autre groupe, par solidarité, vient en aide aux autres. Donc on a eu des Libériens dans la zone qui ont aussi mené des combats. Ceux-là, faut-il les appeler mercenaires? Non, un mercenaire, c'est un étranger qu'on peut recruter dans le pays en conflit ou bien dans un autre pays pour combattre et au retour, bon, on lui donne quelque chose, un peu d'argent. Or, ceux qui venaient se faisaient payer eux-mêmes, ce qu'ils appelaient eux-mêmes le butin de guerre. Si bien que quand ils viennent combattre, qu'ils repartent avec les toitures,
avec le matériel. Donc, c'est comme ça. Ils viennent souvent, ils combattent et puis le soir, ils repartent avec ce qu'ils peuvent prendre pour repartir. Maintenant, au niveau d'Abidjan, vous avez un groupe que je vais qualifier un peu de milice. C'est le GPP, le groupement des patriotes. Pour la paix. Pour la paix. Le Touré Zeguen, baptisé récemment chrétien, Néhémie. Alors, c'est un groupe que j'ai essayé de démanteler. Ce groupe, on l'a retrouvé dans les tout premiers instants, dès que j'ai pris mes fonctions de chef d'état-major, au niveau de Williamsville. Et ce groupe n'a pas arrêté dans la population. Quelquefois même, il s'en prenait aux forces de défense et de sécurité. Il y a eu déjà mort d'hommes. Ils occupaient donc la maternité au Fouet Boigny, d'Adjamé. J'ai dû les chasser de là. Et pour qu'ils ne reviennent pas, nous avons dû installer une unité là-bas, qui est une unité du génie. Une unité du génie. Ce que nous avons essayé de faire, c'était de leur dire de déposer des armes, mais ils jouaient souvent de perfidie avec nous, sachant que nous étions constamment à leur trousse. Ils n'avaient pas d'armes. Ils donnaient l'impression de ne pas avoir d'armes. Parce que j'avais organisé une manœuvre où on allait dans les coins où certains jeunes étaient stationnés très tôt le matin. On encerclait la zone, on les faisait sortir, on les fouillait. Mais j'avoue qu'au niveau d'Abidjan, on a eu très peu d'armes pendant cette période, excepté bien sûr des armements qu'on a pu récupérer avec le GPP. Maintenant, les autres, je ne sais pas s'ils ont joué le jeu. Ils ont dû peut-être cacher les armes. Ça, je ne peux rien vous dire. Mais quand j'allais très tôt pour les surprendre, je ne trouvais pas d'armes avec eux. Voilà donc ce que je peux dire concernant ces groupes. Savez-vous, ils ont obtenu ces armes avant que vous tentiez les désarmer? Alors, ces armes, je vais être clair, parce que je vous disais déjà qu'en 2000, nous étions partis pratiquement les mains nues sur la ligne de front pour mener le combat. On n'avait pas d'armes, on n'avait pas de munitions, parce que notre pays venait de connaître plusieurs mutineries, un coup d'État, tout était pratiquement parti. Et c'est en nous battant dans cette position que le président a pu obtenir des armes d'une grande puissance étrangère que je ne nommerai pas ici. Vous devinez aisément pourquoi. Ces armes, quand elles sont arrivées à l'aéroport, l'état-major de l'époque, compte tenu de l'urgence, n'a pas jugé utile de le faire partir dans les casernements afin que les numéros soient répertoriés avant qu'elles soient transmises aux gens. Donc, le partage s'est fait à l'aéroport d'Abidjan. Le partage s'est fait à l'aéroport d'Abidjan. Et je le dis clairement, certaines personnalités ont pu avoir des armes pour les remettre à des civils. Vous prenez un groupe comme le groupe d'autodéfense ou le responsable du FLGO, Mao, lui-même, troisième agent au maire, mais ils ont de l'armement. Au niveau de l'université, puisque j'étais à Cocody, à la Cité Rouge, ben, il ne se passait pas de jour sans que les types partent de là. Il y avait un groupe qui avait de l'armement, un certain Kaka, je ne sais pas comment il s'appelle, qui avait de l'armement, que j'ai dû convoquer, qui tirait tout le temps, qui emmerdait les gens, que j'ai dû convoquer. Donc, il y avait des groupes qui avaient des armes. Voilà. Je crois qu'il s'appelle Kabé. Hein. Il s'appelle Kabé, ce gars-là. C'est... Kabé. Kabé. Ça doit être certainement l'initial. Il doit avoir un autre nom que je ne maîtrise pas. Maréchal Kabé?
Je crois oui, parce qu'il est de la marine marchande. Alors, je vais peut-être pour simplifier les choses, Monsieur le Président, sans aller à huis clos, juste s'assurer peut-être que les caméras fassent ça doucement. Si on pouvait inscrire sur un bout de papier le nom du pays pour qu'il soit remis à la Chambre, le pays que le témoin ne veut pas nommer, vous pouvez l'écrire, il sera remis à la Chambre pour que la Chambre puisse le voir. Et les partis aussi vont le voir, mais ça ne sera pas retransmis. Est-ce que D'accord. ça vous convient? Ça me convient. Alors, peut-être qu'on peut faire ça immédiatement. Le président, je ne sais pas si cela est important, mais de toute façon, nous pourrions passer à huis clos partiel. Nous pouvons passer à huis clos partiel pendant 30 secondes. We are in open session, Mr. La greffière d'audience, nous sommes à huis clos partiel. Le président, je vous remercie. Je redonne la parole au bureau du procureur. Qui avait débuté ce sujet. Donc, à votre connaissance, est-ce qu'il y a eu des éléments de ces groupes d'autodéfense qui ont été recrutés lors de la crise post-électorale et donc recrutés, qui étaient recrutés au sein des FDS? Comme je le disais, hein, jusqu'au 30, date de mon entrée à l'ambassade, non. Mais après, il y a eu un recrutement qui a été fait. Donc après, vous dites qu'il y aurait eu un recrutement qui a été fait. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Non, je l'ai su. Je l'ai su, même dans les procès qui ont eu lieu à Abidjan, ceux qui passaient ont affirmé qu'ils ont été recrutés à la garde républicaine. Ces gens ne faisaient pas partie des derniers recrutements qu'on a faits. Je l'ai su parce que ceux qui se sont combattus, qui ont combattu aussi, certains de nos soldats, nous ont fait des comptes rendus. Donc, les soldats qui se sont battus vous ont fait des comptes rendus. À quel moment? J'essaie juste de comprendre. Laissons tomber les procédures en Côte d'Ivoire. Mais au moment, donc, de votre sortie de l'ambassade jusque au moment où vous quittez vos fonctions au mois de juillet 2011, C'est bien ça. qu'est-ce que vous avez, quelles sont vos sources pour ça et qu'est-ce que vous apprenez? Alors, les sources, c'est que j'ai appris qu'il y a des jeunes Ivoiriens qui ont été enrôlés, qui ont combattu avec la garde républicaine. Et qui vous mentionne cela? Ce sont mes éléments de garde qui me le mentionnent. Donc, votre garde de sécurité, compte tenu de votre position, c'est cela? C'est bien ça. Votre garde rapprochée. C'est bien ça.
Eh bien, je vais juste... j'aimerais vous montrer un document, et c'est le dernier document que je compte montrer aujourd'hui. C'est le CIV OTP 00710850. Et ce document est à l'onglet 433. J'en ai une copie papier pour le témoin, si on me permet, car c'est un document de quelques pages. C'est public. Prenez quelques secondes pour regarder le document. Et plus spécifiquement, si on pouvait voir la page 0851. Alors, ma question, M. Mangou, dans un premier temps, si on regarde la page 0851, avez-vous déjà vu ce document? C'est la deuxième page, recto verso, 00710851. C'est un message du Comter où vous êtes copié SEMA ATCR. Non, jamais vu ce document. Et si on regarde, on va montrer une page, et cette page, peut-être, Monsieur le Président, je laisse entre vos mains, mais peut-être qu'il serait préférable que cette page que je vais appeler, la 0852, soit confidentielle, compte tenu qu'elle affiche des noms de personnes. Non, mais... Well, let us not show it publicly. Président, bien, nous n'allons pas montrer le document publiquement, mais je pense que nous pouvons en parler en audience publique, n'est-ce pas, Monsieur McDonald? Oui, tout à fait. Monsieur Mangou, on voit à la page 0852, répartition GAD pour la formation militaire. Ça veut dire quoi, GAD, selon vous? Groupe d'autodéfense? Okay. Président, écoutez, Monsieur McDonald, pas de problème. Ça va, Monsieur le Président, c'est bon. Le Président, est-ce que vous savez ce que signifie le GAD? Monsieur McDonald, le témoin était en train de hocher du chef pour indiquer... Enfin, non, le Président. Mais moi, je vais poser la question au témoin. Monsieur Mangou, est-ce que vous saviez... avant d'entendre cette information de la part du bureau du procureur, ce que signifiait cet acronyme ou ce sigle GAD. Vous le saviez, monsieur? Le président, bien. And if it is said... Le président, et... Si je vous dis... D'après le bureau du procureur, qu'est-ce que c'était déjà? Groupe d'autodéfense. Est-ce que vous aviez jamais entendu parler de ce groupe d'autodéfense? Can you tell us... Le président, est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous aviez entendu à ce sujet, dans quel contexte, quels sont les éléments d'information dont vous disposez à ce sujet?
C'est bien ce que je disais tout à l'heure, Monsieur le Président. Des groupes d'autodéfense, généralement, c'est pour combler un vide sécuritaire. Généralement, dans les quartiers d'Abidjan, où il y a la grande criminalité, si les gens ne sont pas sûrs que la police passe tout le temps, ils peuvent se former des groupes d'autodéfense pour défendre un quartier. C'est dans ce sens. Mais ce que je voudrais dire, ce document, il n'a pas été fait par l'état-major. Voilà, ça a été fait par l'adjoint de Détau. Et dans le dernier recrutement que nous avons fait une répartition de ceux qui ont été recrutés et le bébé n'a pas reçu de personnel. J'ai encore en mémoire la répartition qui a été faite concernant le dernier recrutement. Je ne sais pas si je peux en dire un mot là-dessus. Please do so. Je vous en prie, oui. Donc, durant la crise post-électorale, quand on prend la crise de 2002 jusqu'à 2010, nous avons fait 3 recrutements. En 2003, nous avons recruté 4000 personnes. Parce qu'on avait des problèmes d'effectifs, on a recruté 4000 personnes. Ce sont ceux-là, Monsieur le Président, qu'on a appelé la génération Blé-Goudé, excusez-moi. La génération Blé-Goudé. Pas que ce soit Blé-Goudé qui les ait recrutés, mais tout simplement parce qu'à cette période, les jeunes marchaient beaucoup, ils faisaient des meetings, et ceux qui ont été recrutés, c'était des jeunes Ivoiriens qui avaient un très bon niveau d'études. Il y en avait qui avaient la licence, il y en avait qui avaient la maîtrise, et ils sont rentrés dans l'armée par la voie légale. Il y a eu un communiqué du Conseil des ministres qui a fixé les conditions du recrutement. Le ministre de la Défense, chargé de l'exécution de la politique de défense du gouvernement, a repris le communiqué à son niveau et on a convoqué ces jeunes qui sont venus. Ils ont passé les différentes visites et les 4000 ont été retenus. Malheureusement, lorsqu'on a commencé à travailler dans le cadre de la médiation sud-africaine, le point 3.2.1 nous demandait de prendre toutes les dispositions pour aller au désarmement. Donc, ces jeunes se sont sentis pour des laissés pour compte. Ils voyaient qu'ils pensaient que la crise arrivait à sa fin. Donc, ils ont demandé à passer plusieurs concours. Le concours de l'école de police, de gendarmerie, de douane des eaux et forêts. Il y a beaucoup qui ont été reçus, qui sont partis. Et puis, le 27 et 28 septembre 2008, il y a eu 2 mutineries. Une à Yamoussoukro, une à Daoukro. Celle de Yamoussoukro, nous avons pu la maîtriser. Celle de Daoukro commençait à prendre l'ampleur. Les éléments voulaient même venir à Abidjan. J'ai fait aller vers eux une compagnie commandée par, à l'époque, le capitaine Toili, qui est parti et qui nous a ramenés avec mission de faire des prisonniers, de nous les ramener. Il a ramené près de 182 soldats. 91 ont été radiés, 73 ont été emprisonnés et 13 qui ont réussi à prendre la fuite. Donc, il y a eu encore un besoin de recrutement. Et en décembre 2009, il y a eu un communiqué. On a encore recruté des gens, 2000 personnes qui ont fait la formation en janvier 2010, en février 2010 et en mars 2010. Et qui ont été affectés dans les unités. Le dernier recrutement, après les élections, il y a eu un recrutement. Là-dessus, on a revu les conditions, on a poussé la limite d'âge à 27 ans, et là, il suffisait tout simplement de savoir lire, de savoir manier les armes. Donc, on a fait un recrutement
de près de 3184 personnes. Ces 3184 personnes ont été réparties comme suit. Au premier BCP, nous en avons envoyé 200. Au premier bataillon d'infanterie, nous avons envoyé 200. Au Baza, nous avons envoyé 200. Au premier bataillon du génie, nous avons envoyé 200. À la garde républicaine, nous avons envoyé 300. Et au BCS, nous avons envoyé 100. Sur le théâtre des opérations, au groupement centre ouest, oui, au groupement centre ouest, c'est-à-dire à Daloa, nous avons envoyé 652 personnes. Au groupement est, nous avons envoyé 262 personnes. Au groupement sud-ouest, nous avons envoyé 321 personnes. Au groupement ouest, nous avons envoyé 301 personnes. Au Démir, nous avons envoyé 250 personnes. Et au groupement sud-ouest, nous avons envoyé 301 personnes. Alors, quand je vois ici sur la liste bébé, nous n'avons envoyé personne au bébé. Le président, juste une petite précision. Vous avez dit le dernier recrutement après les élections. Donc après les élections de 2010, c'est cela, Monsieur McDonald? C'est la question que je voulais poser également. Monsieur McDonald, mais je vais poser ces questions, Monsieur le Président. Le Président, bien. Quand vous dites qu'il y a eu un recrutement, est-ce qu'il y a eu un recrutement en 2010? Oui, il y a eu un recrutement en 2010. À quelle date? Il y a eu un recrutement en janvier. Non, en 2011, hein, janvier 2011. Le recrutement de 2010, ça a été la formation qu'on a faite. Et on a pris la décision en décembre, en 2009, on a fait la formation en 2010. Ça a été le deuxième recrutement. Mais le dernier recrutement, ça a été en janvier. Là, on n'a pas eu le temps de terminer les 3 mois. Et qu'est-il arrivé à ces recrues? Alors, ces recrues ont été affectées directement dans les unités citées pour être formées directement et de prise en compte tenu de l'urgence. Mais avec les replis sur la ligne de front, ces recrues ont dû replier aussi. Alors, Monsieur Mangou, c'était les questions que j'avais à vous poser. Je vous remercie. Et puis, je crois qu'on va se revoir la semaine prochaine. Donc, je vous souhaite un bon long week-end. Et voilà. Je vous remercie, Monsieur le Président. C'est les questions de l'accusation. Thank you. Le Président, merci beaucoup. Je remercie donc le bureau du procureur. Je vous remercie, Monsieur Mangou. Car jusqu'à présent, vous avez répondu à toutes les questions qui vous ont été posées. Il ne me reste plus qu'à lever l'audience jusqu'à lundi, lundi à 9h30. Et à 9h30 lundi, je donnerai la parole à l'équipe de défense de M. Gbagbo qui vous posera ses questions. Je vous remercie beaucoup et je souhaite un excellent long week-end à tout le monde. L'audience est levée jusqu'à lundi.